Ciao. Salut youtubeurs, c'est Coach-Yann, ça va ou quoi? Bon, lors de la vidéo Toonser, vous êtes beaucoup à m'avoir demandé deux joueurs particulièrement, c'est les nouvelles stars d'Adidas, on va les tester aujourd'hui. C'est parti. Oh, this you crazy mother. Yo la youtubeurs, c'est Bustan et Mickaël Larad, d'Atom Ghost Connect. Represent. Zidane. Personne peut me stopper, je suis. Mon équipe vient de tout département. Contre de la poitrine, crochet du gauche, palpiqué. On fait les choses à part, on fait les choses appliquées. Y'a pour métal et charles, des bijoux. On a le flow qui plaît. You see that? The most creative football come with the street of Paris. Tout ça t'a sapé sauté. On est du rap, ça t'a traîné sur côte. Aujourd'hui, je suis avec Mickaël et il est où, mais il est où? Ah les gars, moi aussi, il faut que je m'explique les glitchs. Ah mais c'est quoi les glitchs, Céane? Dis-moi quoi. Tu les as. En fait, regardez, là, YouTubeur, je suis obligé de vous expliquer. Les glitchs, là, vous voyez, j'ai une chaussette et là, j'ai trois skins. En gros, j'ai le choix de mettre n'importe quel skin ce que je veux. N'importe quel skin ce que je veux, t'as compris? N'importe quelle peau. Ça va très bien, les gars, je mets laquelle? Celui-là. Celui-là? Ouais. Moi, je dirais plus celle-là. Mais les bleus aussi, ils sont bien. Non, mais pas gris. Mais les bleus, parce que c'est le ciel. Parce que c'est le ciel. Je pense que je vais choisir les bleus. Les bleus, ça m'a l'air bien. Ouais, ok, pas la forme. Ok, alors je vous montre comment on met. Donc, normalement, tu la mets comme ça, tranquillement. Et ensuite, hop là! Enfilé. Ça fit là? Ouais. Okay. En gros, genre, tu joues le match le week-end. Le week-end prochain, t'as envie de changer, tu penses à rien. Et quand t'es un mec comme moi, tu veux faire de la mala, bah à la mi-temps, tu changes de paire. Est-ce que tout le monde peut avoir les glitchs? Ah non. Ah. C'est une communauté qui est restreinte. Faut télécharger l'application. Déjà, numéro 1. Il faut un code pour rentrer sur l'application. Et qui peut donner le code? Ah bah. Salut! C'est vous! C'est vous! Vous avez des codes pour les gars? Bien sûr! Vous savez quoi la youtubeur? Aujourd'hui on est gentil. Dans la description, je vais vous mettre un petit code. Ceux qui veulent acheter des glitchs, vous aurez le code spécial. Mais c'est juste pour vous la youtubeur. Allez, on passe au challenge. Ça y est, maintenant je fais partie de la glitch fam les gars. J'ai rejoint votre crew tranquillement. Mais bon, aujourd'hui c'est vous qui tentez votre chance. Il faut qu'on s'y aille, il n'a pas trop faire grand chose. C'est vous qui allez un petit peu montrer votre potentiel. J'ai vu que vous étiez des très bons footballeurs. Que sur Insta, tout ça, ça fait des beaux gosses et ah tout. Ouais, je vois ça. Mais bon, on va aller voir si le côté freestyle il est assez bon. Okay. Ouais, il y en a qui sont confiants, il y en a qui sont moins confiants. C'est parti pour le premier challenge, freestyle. Le premier trick, un tour du monde, celui que vous voulez, et arrêter la balle derrière votre tête. Petite démonstration quand même. Le petit tour du monde. On fait exactement pas comme ça. Donc on fait le ballon comme des footballeurs, le truc c'est une pierre. Si tu tâches la balle, tu perds un doigt de tir. Regarde. Tac. Tour du monde. Boum. Bien. Ok. Ok. Moi j'ai ouais. Ouais. Moi c'est trop costaud pour faire cette zone de trick là. Ok. Ok. On valide mais. C'est à peu près ça, c'était moyen. C'était moyen. On vale. Ok, excusez-moi, c'est la touche. Là ils font les malins, mais on sait faire d'autres choses en freestyle aussi. Chaud les petits là, mais on passe à l'épreuve numéro 2, le crossbar challenge. C'est bon. Ouais, bah tu commences. Allons-y. Allons-y, bon, allez-y. Ouais, je te laisse, ouais. Mais juste un truc, les gars, regarde. Moi aussi, je vais le faire. Sonne plus fort que Paul Pogba sur frappe-chèche, la S3, c'est comme ça, hein, c'est pas... On va mettre des buts dans le style de Pogba, c'est-à-dire des grosses frappes de fou malade. Ça manque de calcium. Alors, en vrai de vrai, y a but, hein, y a d'accord, but. Moi je suis d'accord. Je sais pas si je peux la qualifier comme frappe lourde comme Pogba.
Non, les gars, my god. Il a cassé la barre, mais c'est trop facile comme ça. Faut me mettre un peu de swag là-dedans. C'est parti avec le skills crotte barre. Parce que tu vois, le ballon il était tellement dur que regarde, ils sont en train de dégonfler la balle, tu vois. Tu vois, ils faisaient les footballeurs. Eh, le ballon il cassait le pied. Cristiano Ronaldo, les gars. Bon, moi je suis la mienne. Bon, il voulait du style, hein. On va voir ce qu'on peut faire. Tiens. Vas-y, les gars, vas-y, on s'en va, on va y aller, je pense que c'est mieux. Comment expliquer ce genre d'insolence? Je sais même pas comment l'expliquer. Il voulait du style, donc on a fait ça façon Brice et Mickaël Larade, photo, et oui, tiens. Attends, je sais que vous êtes dans le délire et tout, tu vois, j'ai kiffé votre chèque, franchement. Mais à un moment donné, les gars, il va falloir step up your game. C'est-à-dire, il va falloir mettre un tout petit peu plus de level. We need to improve, ouais, right? Okay. Tu vois. Donc là, tu vois, je te montre la vidéo qu'on a sortie sur la chaîne internationale, tu vois, avec Pogba. Non, tranquille, tu vois. Donc, tranquille, tu vois, hop. Calme-toi, mais pourquoi tu pars? Non. Non, le gars est chaud. Paul, t'es comme ça en fait. Non, oui, il est t'as comme ça. T'as changé, hein. Ah ouais, t'as changé. Vas-y, votre gars Paul là. Non, la vidéo. Alors, regarde celui-là, ça c'est le pire. Allez, un. Hein oh. Attends, c'est pas fini parce que. Ah, allez, deux. Ah et maintenant, regarde. J'ai dit, il faut que tu t'entraînes. Parce que tu vois, quand. Oh, non, non. Parce que j'ai vu que vous faisiez des checks stylés, tu vois. Mais à un moment donné, tu vois, je me suis dit, il faut. Il faut step up, tu vois. Et non, calmez-vous. Voilà, on va voter. C'est quoi prochaine vidéo. Voilà, notre check, il sort bientôt. Vous inquiétez ouais. pas. Dans les bacs, ouais, dans les blocs, vous allez voir. Tête de rhum. Non, c'est nickel. Hey, Mickaël, tu regardes toi. C'est la vie de ma mère. Tu vas voir. C'est la vie de ma mère. On va sortir un check. Il se voit moi. Là. Et sur la vie de ma mère, on va sortir un autre check. Les gars, concours de check sur Insta. Ok, on met un petit hashtag ici. Vous mettez votre check, vous nous envoyez, on voit c'est qui le meilleur. Voilà. Et je pense que vous pouvez nous battre. Ouais, hashtag t'inquiète. Ça arrive. Hashtag ouais. J'invente des concepts. Oui, direct. Bada. Ça tombe très bien parce que le troisième challenge, c'est un Pana challenge. C'était pour rigoler. J'allais même pas jouer à la base, mais maintenant je vais jouer. De base, nous on n'était pas venus pour ça. Non, moi j'ai vu ce job, ils étaient ouverts, mais c'était pour moi. Allez hop, c'est parti, on commence par toi. Allez. Moi j'ai lâché le côté. Look at this. This guy is dead, officially dead. Hey, il tremble, ils sont comme as. Ah!
là, vous voyez, je crie là. C'est que je suis à 30 secondes là de me prendre un peu. Attends. Il a raison. Moi, je la prime celle-là. Monsieur l'arbitre, il y a faute. Bon, bien joué Mika. Bien joué, super Joël. J'avoue que j'ai pris quelques petites feintes quand même. On passe à ton collègue maintenant. J'ai fermé les jambes, on sait jamais. Bon, c'est à toi maintenant. Ouais. C'est à toi. J'avoue que j'ai transpiré et en plus je suis blessé. Du coup, faut que je fasse attention parce que ces petits jeunes ils sont vicieux quand même. Je garde les ballons d'abord. Et vas-y, garde le ballon. Bon. Non, dis pas t'inquiète vite. Non, je sais, je dis pas t'inquiète, mais t'inquiète pour la caméra. Arrête pas, c'est délicat, t'inquiète. Non, mais c'est parce que. Oh my god! J'étais obligé, franchement. J'étais en fin de vie. J'étais obligé de faire un sniper, mais franchement, dédicace à eux. Ils ont géré. Ils ont step up leur game en pana, c'est plus aussi facile. Je dois m'entraîner au freestyle. Non. Moi de toute façon, moi je suis un footballeur, je suis pas un freestyler. Voilà. Mais je dois quand même m'entraîner au freestyle. Va t'entraîner au freestyle. Bon voilà, je dis bon, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à aller checker les Instagram de ces deux petits jeunes là. Hein. Vous m'avez demandé, vous les avez eu sur la chaîne. En attendant, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu si vous avez kiffé la vidéo. Mettez-moi dans les commentaires quel autre youtubeur, footballeur, influenceur, S3 player vous voulez voir sur la chaîne. Tout le monde. Et on se voit bien sûr à la prochaine séance. Bye. Yeah. Il veut se faire mal, gros. Non, je vais pas te faire mal. Tu sais, je vais faire quoi? Je vais me venger de. Qu'est-ce que vous avez fait contre Jack? Paris rule, are you? Play! Jack, come on. Je vais ramener le pot! Jack, come on. Chin. Bro, don't play. We don't change rules. I want to go, so please. It was a great game. I love the fact you both give you 100%. But the score is 10-9. It was really close. Congrats, man. But now, you're going to play against us. S3! T'as perdu? Je ne parle pas avec les Arabes. Non. Non, mais attends, mais là, je te chauffe la balle parce que ça y est, j'avais des soucis. Là, c'est vengeance. Est-ce que toi? Allez, c'est bon, tiens. Quel gardien? Ouais, là, il parle trop mal, là. La tête d'homme, il parle trop mal. Voilà la manne. Non, t'inquiète. Dali. Ah, c'est la claque. Pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal, je pourrais pas, j'ai trop mal là. Oh, là, tu vois.